Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ha ha! Et bienvenue! Bienvenue! Dans Ghost, on me chie dessus! Oh, c'est bon, ça passe. Wouhou! Ça passe dès le début, alors qu'aujourd'hui, on pourrait aller faire la quête principale, mais j'ai décidé d'explorer un petit peu ce coin de l'île. Vous voyez, il y a plein de brouillard, il y a plein de fumée. J'ai équipé, bien évidemment, la tenue du Clodoman, qui permet d'explorer vachement plus le brouillard de guerre et d'avoir des vibrations directement injectées dans son gros washizaki à chaque fois qu'on s'approche d'un biniou magique. Et là, je suis en train de monter là, mais je suis en train de monter une espèce d'immense chaîne de montagne du pif absolu et je suis, j'ose le dire, perdu. Sauf là, il y a des choses et des constructions humaines, donc on va aller voir un peu. Si c'est des mongolos, c'est bien, vu que ça fait environ une semaine et demie, j'ai eu le temps de faire un aller-retour pour un tournage de JDG, hein, donc je suis pas chaud. Je suis chaud, 0%. Alors, on dirait même, je sacaille très fort, et je suis pas d'eau chaud. C'est du riz, ça? Mais c'est de la bouffe! Putain, mais si seulement je pouvais appeler des potes, les mecs qui crèvent la dalle, tes potes ronins qui crèvent la dalle avec ses chapeaux de paille à deux ronds. D'ailleurs, ils crèvent la dalle, mais ça fait zéro sens, hein. Zéro sens qu'ils crèvent la dalle. Où ça? Qui ça? Nani? Des cochons? J'ai pas de grenades, j'ai pas de matos, j'ai tout vendu. J'ai tout vendu. Bon, j'ai du kunai. Kunai, ça fait le taf? Hey, cochon d'Arx! Ah! D'accord, ça les a bloqués. Ok, bah ça les... D'accord, ça les a perturbés mais pas tués, d'accord. Note à soi-même, les cochonax, ça prend 2 kunai dans la chatte pour mourir. Très bien. Enfin, il est là-bas, lui. De toute façon, j'ai pas pris d'arc, j'ai pas pris de flèche. J'y vais à poil. J'y vais, t'as un véritable samouraï. Kage! Il est temps de se chier dessus. Non, par là. Yeah! Excusez-moi, hein, je reprends l'habitude des commandes. Et donc je vais explorer un petit peu derrière cette espèce de passe de montagne qui certes est très jolie. On est en Komoda. Ah, là-bas, le château qu'on souhaite reprendre. C'est le château de l'oncle, ça, n'est-ce pas? Si je m'abuse. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est le château où l'oncle a été emprisonné. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai besoin de m'échauffer. Ok, je sais même plus où est la garde. Ok, c'est bon. Ça, c'est bon. Oui. Oh, il l'a payé, lui. Pleine gorge, le gars. Oui. Oh là là, c'était presque. Hein. On a presque surpris. Oh, bah non, je fais un truc stylé. Oh. C'est toujours pareil. Je fais un truc stylé et il faut que les mecs ils meurent comme de caca. Mais c'est pas Kage, ça. Mais c'est pas mon cheval. Non, il est marron, lui. Il s'est chié dessus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai envie de dire good enough. Montons la montagne. Après tout, montez le plus haut possible. Ça ne peut que nous donner un avantage. Oh là là là, les aurores boréales et tout. Ça ne peut nous donner qu'un avantage. Il y a quelqu'un ce camp ou pas? C'est abandonné ici? Ouais, tu dis que c'est dans cette direction, mais en vrai, ça sent la mouisasse. En vrai, ça sent le suicide, hein. Mais on peut tester, on peut voir ce qui se passe. On peut avoir des forts espoirs. What? Des forts espoirs. Ah, comment t'as pas plus de cordes que ça? Allez, descends! Oh non! J'ai pas plus de cordes que ça. Bah c'est joli, hein. Oh là, c'est Kino. Alors ça sent bon, mais ça me fait souffler du mauvais côté. Ah, mais quel enfer! Quel enfer. Bon. Si on part de là. Je suis désolé, hein. Bonjour. Lieu à découvrir. Par là, ça souffle. Mais là, c'est la montagne, du coup. Quel truc de bâtard, quand même. Quelle map de la bâtardisation. Enfin. Écoutez, hein, c'est ça le jeu, hein. Découvrir des trucs et taper des mongolos, hein.
Moi, je dis, ça me dérangerait pas que ceux qui ont fait le jeu, là... Merde, comment ils s'appellent, j'ai oublié leur nom. Que ceux qui ont fait le jeu, ils fassent l'armée, mais en Gaule. Hein. Ou tu joues un Gaulois qui se bat contre des Romains, ce serait stylé. Hein. Genre, t'imagines, Ghost of Asterix, Ghost of Toutatis. Terrier de renard, où ça? Ghost of Toutatis... Sucker Punch, merci. Moi, j'achète direct. Hein. Surtout quand on assiste, c'est Grabélix, quoi. Grabélix et Star du X, bah, instant best-seller. Hein. Rockstar aux chiottes. Hey, oh, il se divise. Il y a un piaf en or qui me dit, là, il y a du bonus, mais... sympa. Allez. Oh. Super. Excellent. Plus qu'un et j'aurai un bonus de Magix. Ah. Très bon. J'aurai un bonus de symbole Magix. Par contre, l'endroit est pas très praticable à cheval. Hein. Là, le piaf en or, suis. Flap flap, petit compagnon aérien, montre-moi les bonus et les objets cachés. Qu'est-ce que... Oui. Ah d'accord. D'accord, il a bugué le piaf. Le piaf, il s'est bouffé le spock. Oh. Un haïku. Putain, ils ont même laissé le matos d'écriture sur place. Bah attends, on se met bien. Allez, on s'installe. C'est parti pour faire du slam. Haïku sur Glarpou. Réflexion sur la paix. En veillant sur tout, oh my, purifié, régénéré, un nouveau départ. Et ben voilà, ça rend bien en plus. Ça rend bien. Alors par contre, on m'a dit que les haïkus, ils étaient traduits à la chatte parce que littéralement, tu peux pas traduire haïku sans sonner comme une espèce de gros weeb sale qui a jamais touché de femme de sa vie, en fait. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Ce que je comprends, hein. Je respecte après. Hein. Mais bon, c'est juste... c'est comme ça, c'est la vie. Alors, pas mal ça. Oh, oh là là, il rend bien. Il rend bien. Alors, il rend peut-être bien... Mais moi j'ai... Oh, un bonus bignou du bignou. Suis le vent du bignou. A mon avis, en plus, ça va être une source d'eau chaude. La nuit tombe et on va pouvoir se tremper les couilles. Ah non, c'est un temple. Qu'est-ce qu'on peut voir d'ici? Sanctuaire de la chute de l'eau. Ouais, je veux bien, mais... D'ailleurs, c'est cool. Oui, ça. Attends, on va passer.
Voilà. Sans se tuer, hein, si possible. Voilà. Ouais, c'est bon. Il monte. Ok, on y est. Enfin, parce que ça rend bien ici, hein. Grosse chute d'eau. Grosse flotte, gros tout le reste. Problème, c'est... par où ça descend et surtout par où se trouve le centre, parce que ça dit sanctuaire du chute de l'eau, mais est-ce qu'il faut charme de défense? Ah, ce serait bien en plus, hein. Ah, je peux m'y téléporter. Bah écoute, on va faire ça. Fais gaffe, ça glisse. Ouais, non, mais ça m'a l'air complexe, hein. Yuna est une voleuse intrépide et courageuse qui n'a pas le temps d'avoir des descriptions dans ce jeu qui charge en moins de 5 secondes. Incroyable. Mizuno Kami, d'accord. J'aime bien Mizuno Kami, Kami de l'eau. Alors que c'est littéralement Dieu de l'eau. Très bien. Il a pas de nom, ce Dieu de l'eau? Bah c'est Dieu de l'eau, d'accord. Oh, je vends bourse. Ah, c'est moins cher que gratuit. Prudence au volant, prudence au volant. Ah d'accord, donc j'aurais pu sauter dans la flotte en fait, d'accord. Petite pensée pour la prêtresse, la Miko, la glace Miko de 74 ans qui vient nettoyer les merdes de pigeons tous les matins. Vous êtes là en cours de sport en troisième. Ah, badminton, c'est dur. Elle est là, je dois récurer le dieu de l'eau. Mais c'est un dieu, il est sous une cascade. Récurer. En tout cas, c'est beau. Et je me pose la question de savoir quelle est cette espèce d'immense couille. La masse ressource. Sauf que ça m'a pas l'air d'être une bonne idée. Parce que c'est pas que c'est un temple, mais c'est un temple. Même plus haut là. C'est bon. Ah, putain. Eh ben, on y est. Eh ben, ce fut pas sans mal. Ce fut pas sans mal. Ce fut pas sans mal. Oh là 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 là. Tu m'étonnes, les mecs, ils se sont dit on va mettre un temple là. Et c'est là qu'il y a un mongol du haut de la tour tout en haut à droite. Dosho! Bec! La Miko, elle se la prend dans la nuque. Oh, très bien. Et qu'est-ce que ça fait, ce charme de Mizuno Kami? Les parades et les parades parfaites sont plus faciles à exécuter. Ah, bah oui. Ça, c'est pour les gens... Ça, c'est pour les gens qui jouent comme moi sur un... Comment ça s'appelle? Pas sur un décodeur, mais sur un machin, une carte de capture. Voilà. C'est pour les gens qui jouent sur les cartes de capture. Très bien. Bon, on s'en équipe. On s'en équipe lâchement. Qu'est-ce que j'ai... Ah non, je me suis téléporté. Où suis-je? À nouveau devant la sphère, très bien. Est-ce que je vais aller voir la couille? Oui, allons voir la couille. Voilà. Faut pas appeler le cheval. Pourtant, le cheval, il nage, hein. Comment on fait pour passer sous l'eau? Ouais, c'est ça. Oh là 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 là. Quand même, gros nageur, hein.
très bien. La bouffe, le bois d'if, la couille. Ouh. Grosse couille, hein. Super. Enfin, c'est culturel. Alors, je sais pas si ça marche, mais j'ai peut-être trouvé une technique de speedrun. Quand tu passes sous l'eau et que t'en sors, t'as un petit boost. Donc en fait, il y a vraiment moyen de faire une brasse. Il y a vraiment moyen de faire une brasse et de s'en sortir comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Allons à la crique de Komoda. Yeah ! En espérant tomber sur des mongolos un peu vénères sur la route parce que je suis rouillé, hein. J'ai pas eu le temps de me refaire. Et si on fait une mission d'histoire tout de suite, ils vont être là, affronte 10 milliards de mongolos, vas-y, c'est facile. Libère ton oncle, libère ton grand-père, libère ta famille. Arrière, arrière, caribou. Ah. Tachionuki. Tatakai. Oh putain, mais regarde ça, il tient à peine debout. Oh là 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 là, je me sens mal. Hein. Je sais que c'est qu'un bandit, mais quand même. Regarde ça, ils sont à poil, quoi. Oh là là. Terrible. Désolé. Au final, volons-le, hein. Parce que c'est pas comme s'il était mort. Parfait. Très bien. Pragmatisme. Il aura été vengé. Enfin, vengé vite fait, hein. Il se passe des choses là-bas, paraît-il. Kage. Kage. Bébé. Yoshi, Kage. Approche, approche, approche. Il va craquer. Il va craquer psychologiquement. Il attaque des gens là. Ouh. Attention! Oh là 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 là. Bonjour. J'aime bien les villageois qui voient un mongol se faire décarriller, trancher la tête et ils sont dans la détente, tu vois. Ils sont là, non mais ça va. Culturellement parlant, c'est un lundi. Hier matin, ma fille est morte de la chiasse, donc bon. Moi, je dis ça, je dis rien, si tu veux. Ah, attends. Là, il y a un truc que je voulais aller voir. Qu'est-ce que ça dit? Ah, d'accord, ouais, d'accord. Ça mène au Kami de l'eau. D'accord, c'est juste qu'on a pris l'autre côté. Ok, très bien, d'accord. Ça fait du sens, pas de soucis. Kage! Oui, Kage! Eh bien. T'étais où pendant la baston? Parce que j'ai sauté de ton dos, mais tu t'es enfui à une vitesse après pour un cheval, c'est chaud, hein. Ok, on va prendre par là. Pégu is not impress. Hein. J'avoue que c'était un Pégu level 64. Ah, je peux pas passer le bosquet, là. Bosquet qui est solide. Voilà. Ici, ça crame. Ça a brûlé un peu de partout. Je vois que la situation n'est pas reluisante, mais bon, les gens font. Ils sont dans la rivière. Ils sont des pégus. Ce sont des pégus libres. Où est-ce que ça mène, ça? Où est-ce que ça mène? Mizunukami, oh. Dieu de l'eau. Non, 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 non. Ah. Mais oui. Voilà. Oh. J'aurais bien testé aussi le truc qui permet de faciliter les parades et les parades parfaites. Mais pour ça, il me faudrait des mongolos. Ils sont partout, mais il n'y en a plus aucun durant cet épisode. Quelle gabegerie. Oh, c'était rizière ça, ou c'est des bords de plage? Oh, c'est stylé. Oh, par contre, les daims, ils sont sur la plage, ils sont pépères. Hein. Trick de Komoda, je vois, je vois. Qu'est-ce que c'est que ces cris? J'entends des... C'est des caribous? C'est des caribous. Ok. Ah! Alors. Ah, j'en ai une. Un plumage suffisant. Ah merde. Il s'est mis à bouger.
Aigle mongol. Les mongols ont des yeux dans le ciel. Si leur aigle vous repère, il alertera vos ennemis. Bon, j'en ai mis une. Tant pis. Ya! Ok, très bien. La garde, ça c'est des couteaux, c'était pour les occuper. Ah putain. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Esquive. Vas-y, bats-toi. Raté. Ah, dommage, j'ai raté plusieurs fois, mais... C'est bon. Tonchon. Ping. Oh là 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 là. Tonchon. Ping. Tonchon. Ping. Je prends des positions de Chad. Hein. Regarde, ça c'est une power stance. Ça, ça veut dire que tu vas Tonchon. La... Tu vas la bouffer. Oh là 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 là. Tonchon. Tonchon. Ping. Oh là. Tonchon. Là, là. Tout de suite. Tonchon. Oh, oh non, j'ai raté. Oh. Mais c'est pas bien. Mais c'est pas bientôt fini. C'est pas bientôt fini ce bordel? Ouais, mes excuses. Je sais que c'est de la cruauté animale, mais. Hein, voilà. Ah, la forge de Komatsu? Mais t'es allé loin, hein? Putain, le mec. Merci, grâce à vous, je suis libre. Je peux retourner à Paris. Ah bon? Eh ben, bon voyage. Bon voyage. Comme dirait notre ami Jean-Claude Van Damme. Je sais pas lequel est le mien, mais ça fera le taf. Allez, y'a. Là où il y a toujours le château de notre ami... Les gentils. Faudrait que je retourne un peu plus sous bois du vieux bûcheron. On va aller un peu au sud, allez. J'essaie d'explorer un peu la map, hein. J'essaie d'explorer un peu la map. 50 000 ans de développement, Ghost of Tsushima, j'avoue. Est-ce que c'est des fleurs que je peux récupérer, ça? Oui. Si fait. Miam, miam, miam. Tout ceci est juteux. Juteux. Je sais pas combien de dizaines de fleurs j'ai récupéré, là, mais... C'est toujours du costume, et du costume, on ne dit jamais rien contre les costumes. Là, il y a un caribou. Ils font un bordel, les caribous, quand même. Là, il y a des gens qui ont eu la gentillesse d'allumer des torches. Ce qui est, il faut l'avouer, fort aimable de leur part. J'aimerais bien tomber sur un dernier temple de renard. Hein. Renard. Ça me permettrait d'augmenter mes tailles de sacré fricouille. Coquin. De rien. Bon bah de rien. Très bien. Suivons ce piaf. Les piafs, j'ai envie de dire, c'est toujours les bons plans. Quoique c'est toujours un peu des plans qui puent aussi un peu la bite. Genre comme ça. C'est bon. La source. La source chaudasse de la colline aux lucioles. Oh là là, à 30 mètres de moi qui ai exécuté des gens. Miam, miam, miam. Combien j'ai de points? J'ai 2 points.
je pensais prendre le relevage de l'honneur. C'est-à-dire que je me fais mettre au sol, si j'ai 2 points d'honneur, je me tape une couille et je me relève. Voilà, et c'est stylé aussi. C'est cinématiquement, c'est très stylé. Je le prends. Voilà, je sais que j'aurais pu améliorer le coup de pied, tout ça, mais je ferai ça plus tard. Allons-y dans le jacuzzi. Oh là là, toi t'es dans ta japonaiserie, moi je suis dans mon jacuzzi. Les samouraïs, allons-y. Komoda no hama de shinda waga tomo, Kasai, Matsudo, Hongo. Onushira no tsushima e no omoi wasure wasen. Dans une charge héroïque à 80 contre 8000. C'est la fierté. C'est la fierté, d'où Jésus. Alors excusez-moi, petite pause. Oh, chers amis, oh, mes excuses. Vous savez ce que c'est, le chat qui est dissident? Ouh, ça passe zéro, ça. On est d'accord. Putain, qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu. On est d'accord que ça passe zéro. Ah, si, ça descend, là. Dieu merci. Impeccable. Oh, un peu haut. Oh là 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 là. Belle gestion de la situation. Allez, ya. Je me dirige encore un peu vers l'est, histoire de révéler un peu de la map, hein, brave Jean. Vous savez ce que c'est, les grandes rizières. Là-bas, c'est quoi? C'est des Pégus ou des Mongolos? C'est des Mongolos, hein. On pourrait les pécho en duel, mais ça va plus vite que de les tuer simplement. Hein. Oh et voilà, vous avez vu, j'ai utilisé l'attaque forte pour parer ses attaques. Tac. Et ça le part automatiquement. Et je récupère les peaux de prédateurs, donc j'ai tout gagné. Je voulais faire une parade, mais il est mort instantanément, donc c'est allé vite. En tout cas, les peaux de prédateurs, c'est une bonne chose. Vous avez vu, j'ai compris comment ça marche. La parade automatique quand tu es en posture de lance, ça marche pas pour les attaques simples, ça marche pour les grosses attaques. Donc il suffit de spammer heavy attaque, et même s'il te fait des paris, et tu sais qu'il te déstabilise, le temps qu'il contre-attaque, t'as le temps de lancer ta heavy attaque, ce qui déclenche automatiquement la parade automatique, ce qui fait que du coup les lances sont trivialisées. À part quand Lennon il fait ah, vas-y, je vais parer ton coup, puis là je lui jette un couteau dans la gorge, et je fais ah non, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Barrez-vous les caribous. Caribou qui ne donne absolument pas de peau sauvage. Le mec, c'est à la Far Cry 3, il est très spécifique. Si c'est pas fait en cul de. En cul de sanglier ou en peau d'ours, le mec n'y range pas ses couilles. Eux, ils sont à bord d'un cheval. Ouais, on va les confronter ou. On peut les. Dosho! Dosho! Oh, Dosho! Et je les confronte. Je leur ai mis une tête. Et derrière, je l'humilie. Ouais, c'est ça, vas-y, essaye, je te regarde, je te vois. Slip! Chaussette! Ah bah, pas de jartel? Bon, pas de jartel. Ah bah maintenant que j'ai les 4 positions pour régler les ennemis selon leur variété, enfin pour régler leurs problèmes selon leur variété, c'est quand même autrement plus confort. Hein. Il faut oser se le dire. Il faut oser se le dire. Des fleurs, là j'ai vu qu'il y avait quelques provisions, du bambou, et là-bas j'ai vu qu'il y avait une autre fleur. Excellent. Et ça c'est une forteresse? Ou est-ce que c'est le château? Ah, ça ressemble au château, hein. Ça ressemble au château, donc on est d'accord que c'est absolument pas conquérable, ça. Hein. Mais c'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert. Drelin, château de Calina. Drelin, méchant mongolien.
sais que c'est un lieu d'histoire, mais c'est moins cher que gratuit. C'est le jour des portes ouvertes. À la haut des mongolos. Vite. Attention, les forces ennemies dans cette zone sont écrasantes. C'est bien. C'est ce qu'on cherche. Deux choses déjà. Ouch. D'où il me tire? Elle me tire dessus que lorsque je les regarde pas. Tant que je les regarde, ils ont pas le droit de tricher. À la seconde où je les regarde pas, ils tirent des flèches à des angles impossibles. Ah. C'est intéressant ça. Attends. Oh. Des fleurs. Encore des fleurs. Oh, et un truc de temple. Super. Qu'est-ce qui se passe si je prie? Les bateaux, ils coulent? Oh! Wouah! Trop bien. Des crab people. Crab people. Adorable. Surimi party, hein, c'était cute. Et là-bas, il y a une bannière, d'accord. Et j'ai la manette qui vibre, ok. Voilà, un sashimono. Écoute, c'est découvert. Bon, bah pas besoin d'explorer un peu plus que ça. À mon avis, on est plutôt bien. Là, il y a un point de découvrir, mais on pourrait faire aussi la mission de Ishikawa. Bon, on est vraiment lancé. Oh, on va faire la mission de Mister MV. Qui récemment a gagné un prix de curateur Steam en disant qu'avec mes 3 milliards d'abonnés, j'allais causer la fin du monde. On remerciera Mister MV pour son... pour sa clairvoyance. Et sa vision. Clairement un homme d'avenir. De poésie, il a gagné le prix de poésie, c'est ça. Ok, très bien. Sakai-sama, Shimura-sama wa gokensho de. Oh. J'ai étudié la poésie avec votre oncle. Je crois que la poésie t'étudiait ça genre au château. Ima wa mouku ni toraware oide da. ご心配なく、辛抱強いお方ですから、戦の技量に優れ、さらに若まで、堺様も若を。そのような暇はないな。戦の時こそ読まなくては、一首読めば心は落ち着き、邪念も振り払えるはずです。心の平穏か。さようです。ちょうど良い場所が、火事場近くの崖の上にあります。そういった場所を見つけましたら、ぜひとも、 J'aime quand le son ne correspond pas à l'action en fait. Parce qu'il était un... Mec, il boit, il parle dans son thé si tu veux. Ok, il parle dans son thé, il me manque de respect. Du coup, il m'a dit qu'il y avait un endroit ou pas? J'ai pas vu. Il m'a parlé du haut de la falaise, mais peut-être ça. Peut-être ça, hein. Ça ressemble à ça, hein. Ça ressemble à un lieu de haïku, ça. Ou pas. Ou pas, parce que... Non, non, là, en fait. Là, juste là. Non, non, c'est là, d'accord, pardon, pardon. Excusez-moi. Oh! Pouille, 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 pouille. Réflexion sur la sérénité. L'esprit dégagé. La terre sous tes pieds. Les arbres murmurent.
un lit frais sous les étoiles, se balançant dans le vent, à l'abri du soleil chaud. Une défense solide, une force croissante. La chaleur appelle. Seiyunya. Kaze ni yuretaru chikurin ni. Koharu no kage mo ware o. Okina no moushita toori, kokoro ga shizumari tsuyoku natta yō da. Mata yonde miyō. Et bah très bien. Très bien, faire la gueule qu'il a. C'est un bandeau rouge. He's okay, hein. He's okay. Super. Ça rend bien. Ça rend bien. Du coup, maintenant, il faut que j'aille voir Ishikawa Sensei. Sauf qu'il est où, Mister MV? Ah non, il est tout... Ah, c'est bon, je peux me téléporter. Oh, Dieu merci. Le pouille-pouille de Verlaine. Ah, j'avoue. Le pouille-pouille de Verlaine. Ou plutôt le youp-youp de Verlaine en verlan. Mais c'est qu'il a failli m'en mettre une. Tout doux, papy, tout doux. Tu es un vieux monsieur. Sensei, Tomoe no shousoku wa? Tsukameta ga, ima no onushi de wa kanawan na. Tomoe o oni to omoi desu ka? Ma, ayamari de wa arumai. Oyatsu ni osore wa nai. Homare o shiranu, umare tsuite no hita goroshi da. Oboe ga arimasu. Iya, onushi ni wa wakaran. Il me la hype depuis le début, Tomoe. Mais c'est juste une bonne archère. Hein. Moi, comme je peux parer les flèches, elle peut faire ton show tant qu'elle veut. Koi, Izuko. Yumi no shuren da. Mouko ga kitaite oru rashi. Osoraku Tomoe mo oru hazu. Tomoe ga osore shirazu de areba, yoi mikata ni narimashou. Osore shirazu wa kemono to onaji. Kemono de wa yumi o etoku dekimasen. Wasureru koto da. Mikata ni narimasen. それが猛虎の強みだ。いかにも止めなければ。中山で捕虜が死んでおっただろう。あれは巴が殺めてではなかろう。何か事情があるのやも。事情などあるものか。 Et quant à savoir pourquoi elle a trahi le patriarcat, c'est évident. C'est évident. Koko, nobotte ike. Sensei wa noboremasu ka? Alors je dis t'es sûr d'y arriver, mais j'y arrive pas. Doshita mota mota suru na. Te o kashimasu zo. D'accord. Mazu mazu no deki da. D'accord, il a utilisé le super pouvoir de la téléportation. Des flèches et des flèches. Petit arc. Grand arc. Petit arc. Ok, très bien. Alors les gens ils sont là. Quand ils parlent de Tomoe Gozen? Je pense pas. Tomoe Gozen, si je me souviens, c'était une lancière et c'est un perso, on en fait des. C'est un perso. On en fait un perso de Dynasty Warriors après, si tu veux. Alors pas de Dynasty Warriors parce que c'est pas Dynasty Warriors, c'est en Chine. De comment ça s'appelle de... Ah, c'est pas Samurai Spirit, c'est comment ça s'appelle. Merde. Ah, j'ai oublié. Mais le Dynasty Warriors, mais qui se passe au Japon. Voilà, c'est pour ça. Sengoku Bazara, merci beaucoup. Noboru igai nakatta no dewa? Iyo. Nobore to itta dake da. Onoshi no tanren ni na. Yada. Samurai Warrior.
Les fameux chinois de Chine. Yagura no soba da. Mazu mazu no deki. Yaga ochita tokoro e ike. Putain, il touche à cette distance. Ora isoge. Mais oui, mais oui, mais ça va, on n'est pas aux pièces. C'est bon, ça passe. C'est bon, ça passe. Il dit de me dépêcher, l'enculé, mais j'y travaille, ça va. Quel esclavagiste ce Mr. MV. Ok, très bien. J'avoue que c'est grosse bite les archers de l'époque. Ah! Bien joué! Où est le chien? Je dois gérer le chien d'abord. Voilà, ça y est. Aide! Et de deux. J'ai besoin de votre aide, Sensei. Enfin, il dit j'ai besoin de votre aide, mais Alors j'aime bien parce qu'il m'a demandé de m'entraîner à l'arc, mais bon après. Après j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, si tu veux. Il travaille, mais c'est pas facile. Donc il y a juste 2-3 mongolos, ça s'est somme toute très bien passé. Mais vraiment, je suis désolé, je me suis pris quelques coups au début, c'est parce que je me concentrais en fait principalement sur le chien. Je voulais pas en fait me faire ouvrir par le chien et que derrière il me mette 19 coups de lance, mais ils m'en ont mis 17 quand même. Oh là. Il a touché la cible à cette distance, quoi. Et puis pleine tête, hein. Oh là là. Zonbun ni yasumemashita ka? Tachisabaki o kansatsu shite ita no da. Bah, ma réaction, c'est que je les ai tous tués. Mouko ga oru to go shouchi deshita ne. Ma na. Tsutaenakatta wake wa? Are shiki no teki ni yaboreru you de wa tomoe ni wa ha ga tatanu kara na. Kore wa ikusa da to owasure desu ka? Ikusa wo tokareru suji hai wa nai. これからも腕試しは続けるぞ。道理で巴に襲われるわけです。はてさて、巴はどこへやら。探しましょう。ここに足跡が10人かそれ以上。後を追え。 C'est beau des relations comme ça. トモエを見つけてもたじろぐな。うかうかしておったら死ぬぞ。次こそ弓をお使いに。あやつがいればな。いなかったら。お主一人で十分ではないのか。無論です。よくぞ申した。 Très bien. Là-bas, je vois des plantes, je vois une ferme. On s'approche d'un truc. Petite roulade histoire de reprendre sa respiration. Vous aussi, faites des roulades pour respirer. C'est ce que fait Neymar, donc ça marche. Oh le scénarium. Oh non, mais non. Tami o mato ni yumi no keiko to wa nan no tsumi ga aru tou no da. On va tout de suite, ah bah oui, on parle, voilà, ouais, bien sûr. Oh là là, on a fait un tir parfait, quoi.
Regarde ça, t'eau chaud. Bon. On va attendre qu'ils bougent un petit peu, histoire de pouvoir les trucider proprement. Mais voilà, quoi. Oh, dégoûté, hein. Dégoûté. 0 sur 20, le jeu. Alors, lui, c'est quelque ça, ok. Est-ce qu'à votre avis, je peux drelin-drelin? Chiharu, hein? Oh ah merde, c'est un gros. C'est un gros, panique pas. Pac 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 pac. Oh tec, défendu. Tec, défendu. Oh tec. Danger! Bah alors. Alors j'ai pas fait attention et je m'excuse. Comme j'ai pas fait attention que c'était un chef, j'ai pas réfléchi et je pensais toujours pouvoir le. Ah merde. Non mais remonte. Je pensais toujours pouvoir le tuer en un seul coup. Mais il s'avère que non en fait, il faut leur mettre deux coups de poignard et donc j'ai raté mon infiltration. Mais globalement, un petit kunai, ça s'est bien passé. Parce que pour moi, toucher à l'arc. Mais j'arrive. Toucher à l'arc, c'est plus simple pour moi de toucher avec un arc que de toucher avec un couteau de lancer. Si le mec il s'est jeté des couteaux de lancer et il touche, honnêtement, il a tout mon respect déjà. Donc là, Mister MV, il a rien à dire. Shimano Onago wa ita ka? Yahari Shimano mono. Mei wo kudashite mashita. どのような先生がどうとか湯がどうとか聞こえたのはそれだけです。面目ない。 Voilà. Ça s'est bien passé. On dit sur le chat, arrête de t'excuser, c'était bien. Bah oui, mais c'était une erreur d'amateur, c'est pour ça. Donc je... Il faut parler à son dos, d'accord. Gros jeu. Gedo ni waza o sazukete shimatta ka. トモエは猛虎を指揮していたそうです。日吉の湯の名も出したとか。よからぬことを始める気だ。酒井、お主の平日、志村や鴉の教えではないな。猛虎は比類なき強敵です。倒すことを優先したまで。武士は守り手ぞ。追い打ちは野党のすること。 コモダを知らぬゆえ水友は分かるわ。地獄であったであろう。だが次の外道を育てる気はないぞ。いかにも外道は一人で十分。トモエが日吉の湯を狙っておるなら備えなければならぬ。よいな。では道場で会おう。あ、いわば、しめとるよし。 Attention, tu ne les as pas tués avec honneur. L'honneur, ça marche que lorsque tu te bats contre des adversaires honorables. C'est des mongolos. C'est des mongols, mais ce sont des envahisseurs. Et qui plus est, des gens qui se battent pas honorablement. Éventuellement pour le chef d'un camp, là tu fais un duel. Mais c'est tout, le reste tu leur poignardes de les couilles et personne n'y lève un sourcil normalement. Qu'est-ce que c'est que cette vision de l'honneur américanisée du cul? Ça veut rien dire. Charme de portée mineure et de la soie. Il me file de la soie! Wouah! Le mec, il me donne... Il me donne du... Il me donne du papier cul! Non mais il me semble en plus, hein. Je dis peut-être n'importe quoi, mais il me semble que le code d'honneur des samouraïs et des japonais, même si ça change à chaque shogun... C'est parce que chaque shogun a le droit de faire des bidouillages sur la constitution de code d'honneur à la con. Il me semble que c'est que pour les duels honorables face aux mecs qui respectent ce même code d'honneur. Basiquement, ce que le code d'honneur est dit, c'est tant que ton ennemi en face il respecte la convention de Genève, tu respectes la convention de Genève.
Enfin, du coup, c'est la convention de je sais pas moi, la convention de Satsuma, si tu veux. Mais à la seconde où le mec il respecte rien, c'est-à-dire c'est un bandit, il a pas d'honneur, tu pourrais l'exécuter en lui arrachant la colonne vertébrale de son fils et en lui la plantant dans la gorge, personne va lever un sourcil, si tu veux. Voilà. Et donc, le concept des Mongols qui arrivent et qui appliquent une stratégie qui est historiquement extrêmement efficace, qui est de mixer ta population avec des gonzesses, donc en se les tapant toutes pour avoir plus de guerriers. De leur dire rejoignez-nous ou mourrez, et à la seconde où ils disent on veut pas vous rejoindre, tu les exécutes tous pour que le prochain y te rejoigne, si tu veux, contre sa volonté. Tu les traites comme des sous-citoyens, mais pas trop mal, parce que tu y te rejoignes, si tu veux, globalement, tant qu'ils font pas de la merde. Et globalement, t'aurais pu te faire le reste. T'arrives dans un autre pays et tout le monde se dit ah, les Mongols! Et ils se chient dessus dans leur château, si tu veux. Et du coup, ça évite les pertes le plus possible. Mais. C'est une stratégie qui est monstrueuse, mais qui fonctionne historiquement parlant, si tu veux. C'est l'inverse même de la terre brûlée. C'est-à-dire, c'est toi qui fais ton auto-terre brûlée, si tu veux. Tu l'as fait avec ta bite. Bon. Mais le truc, c'est voilà. Ils font la pression, ils la maintiennent et ils sont cohérents dedans. Mais le premier truc, ça a été, face à un duel honorable du chef de guerre des samouraïs, de prendre un verre de vin et d'y mettre le feu. D'ailleurs, le mec, il a pris feu. Je sais pas si c'était du vin pour ça. Et d'y mettre le feu. Bon. Partant de ce postulat, tous les samouraïs qui étaient là, c'est ok. Ok, on leur envoie des couvertures. En mode américaine, si tu veux. Technique américaine, les couvertures avec la chikungunya dedans. Dégueulasse. Tomoe no shousoku wa Shiyoshi no yu no uchita soto de hito ga ikurosareta sou da. Okage de mura no urai wa sukkari hette shimatta. Tomoe no shiwaza da to. Tekisetsu na ba ni yumi tori o okeba mura no koritsu nado tayasui. Sensei ga Nagaoka de otsukai ni narareta heijutsu desu ne. Tomoe wa oboe ga hayai na. Ika ni mo. Marude anata no bunshin desu. Nara ba sore wo sakata ni totte yaru zo. Ho. Le passé ne meurt jamais. Ho. Oui, je fais des bruits bizarres, mais c'est situationnel. Oui. Allons-y. Mais c'est pour ça, donc s'il commence à faire comme. S'il commence à faire comme l'autre et à dire tu te bats déshonorablement. Nique-toi! Je suis 1 contre 1000. 1 contre 1000, j'en ai buté 200 au couteau, 800 en frontal. Mais genre full frontal! Et même pas, j'ai empoisonné mon katana en plus, enculé! Donc ça va! Côté honneur, ça va! Niya. On va passer aux archers. Attends une seconde. Village d'Hiyoshi. C'est où les alentours du village d'Hiyoshi? Ah, là, pardon, excuse-moi. Très bien, c'est parce que j'étais pas du bon côté. Et puis j'aime bien, hein, parce qu'on a des concepts d'honneur qui sont quand même extrêmement différents. Hein. Je veux dire, Ishikawa, t'es là? L'honneur. Tu te bats? Ah pardon, excuse-moi, l'écho. Tu te bats? À l'arc. Je suis désolé, on n'a pas le même concept d'honneur. Il est peut-être honneur fluide. Oui, mais Bob, c'est honorable. Ouais. Comme les tout. Fin du débat. Hamae no michi wa suunin de tarimasu. Sayo. Yado no ushiro no michi ni. Ii na. Kakureba mo nakereba mitoushi mo warui. Wazuka na ninzu de mura zentai wo seisu no da zo. Mura no hashi wo miharu mono ga iru de shou. Ika ni mo. Mura no iriguchi wo hei de katamete wa ikaga de shou. Mohaya kaidou ni hito wa oranu zo. Hei wo oku dake muda daro. Oh. 村の南の道は上り坂。弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。
Atteignez la route côtière. Où est-ce qu'elle est? Elle est à Chai. Elle est à Chai. Je peux lui TP? Ah, je peux me TP! Ou je peux me TP là, ce qui va plus vite. Hein. Ah non, vous abandonnerez votre partenaire. Non, 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 je veux pas parler d'abandonner le partenaire. D'accord, bon, tant pis. Tomoe には なれど弟子は取った。しばらく後にな。何故です。弓を置くことは、わしにとって死と同義。まだ死ぬつもりはない。指南役を捨てたことに後悔は。弓の腕を鍛えるほど己も鍛えられ。武士の本懐とは己に勝つことのみ。後悔などないぞ。え、je J'allais dire, je lui proposerais bien de courir, si tu veux, je voulais le faire cavaler un peu cet enfoiré, mais... Il a son propre poney, le salaud, donc... Donc il se met bien. Voilà. Je voulais faire la confrontation parce que sinon Ishikawa il va être là. Gna 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 gna. Ah bien joué, il m'a eu. C'est pas grave. Hop hop hop. Boum. Ah putain, et je paye ça en plus, nul. Ça, ça il est mort. Putain, lui il est mort. Merde, je voulais appuyer sur garde, mais j'ai pas les bons réflexes. Ah putain. Allez, allez, arrête d'avoir mal. Bon après c'est vraiment qu'une question de patience. Hein. Je pouvais docher, mais honnêtement il vise mieux et il tire mieux que moi. Là. Putain. Oh mais bordel de chatte. Vas-y, docho ça, connard. Tomoe wa orimasen. Pardon. Voilà. Pas vrai, ça. Globalement, ce combat s'est très mal passé. C'est pas grave. Voilà, quelques flèches. Hop.罪なき者まで殺めて、巴は島民としての誇りまで捨てたのか。蒙古が操り約束したのは権力、富、地位。ここでは得られぬものだ。己の出自を疎んじておったということか。優しさは身を滅ぼす。心情は察しますが、混乱を招く者を許すことはできません。 お主も招いておるぞ。敵にのみ。島中にだ。武士は自制を持たねばならん。自制なくばただの人殺しよ。なれど敵を殺さぬ限り、戦は終わりません。巴も同じことを言ったな。Oui, et au final, je suis désolé, papy, mais c'est elle qui avait raison. Parce que tu te la joues, oui, Tomoe disait la même chose, c'est dommage, mais t'es en train de faire quoi, rappelle-moi? T'es en train de traquer quelqu'un à travers le pays en butant des dizaines de personnes dans le seul but de la retrouver et de mettre fin à sa vie pour qu'elle arrête de foutre de la merde, donc... Je veux pas dire, hein, mais t'es bien MV, mais faut balayer devant ta porte un peu et... Oulala, ça nous enchante. Il a rien vu. Kick! Kick! Ah, il veut pas! Kick! Kick! Oh, il a refusé de chuter. Hein. Ouais. Bon, écoute, moi je vais servir de blocage. Toi, tu tires. Voilà. Tu veux pas tirer?
il veut pas. Bon, allez. Ça touche. Les méchantes abeilles sont en train de s'en charger. Ping. Putain, alors tout enculé. Voilà. Hebi no sumika mo ato hitotsu. Koi. Koi. Quand même, je veux pas dire, mais depuis le début du jeu, on tombe sur des gens qui nous font la morale et qui appliquent à 0% leur morale. Hein. Entre Ishikawa qui nous parle de la paix, mais qui traque une gamine à travers les steppes pour lui mettre des nuques, alors que moralement il comprend pourquoi elle a raison, si tu veux. Entre la vieille qui est là, c'est ma dernière piste, il faut que je venge ma famille. Oui bonjour, je suis la dernière piste. Ah. D'accord, va respirer un coup dehors, mamie. Hein. Ouais, ok, ouais. Dis-moi si tu trouves des indices. Non, je vais pas te dire si je trouve des indices. Tomoe. Je vais enquêter à ta place. Ah, ikani shite deshi ni. Chichiyoya no somatsu no yume dake motte doujou ni arawari, kaerou to shinakute na. Oikaesou to wa? Shita zo. Daga tsugi kara tsugi e to mato ni ya o ate yo tte. Mattaku dogimo o nukasareta wa. Kitaete ita no deshou. Kamae wa bukakko. あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらわぬ。度胸だけはあった。天賦の才か。殺しの才だ。気づくのが遅すぎたがな。Un peu d'acier, pas grand chose, mais. Alors. Trop chaud.Après, c'est un peu des cibles statiques. Hein. Et ça, c'est pour le plaisir. Oh, oh. Oups. Quelle est belle. Oh. Il reste le chef. Sauf que le chef en l'état il vaut rien. Hein. Ah, il a un bouclier! Oh là là! Et après c'est facile. Il vise les jambes. Ouh! Ouh! Tosho! Ishikawa wa iru ka? Onore, nani o da? Ah!ことづてがある。モーセ。石川、日吉の民はすべて命を乞うことになる。長尾博則に撃たれた者のこと。黙れ。長尾博則。俗に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、すべて巴のデタラメだ。すべてではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。Honorable. Petite exécution au sol, qui était très honorable de la part de l'archer. Jamais un archer c'est honorable.Par défaut, un archer, ça peut pas être honorable. À la rigueur, il y a bien un que je pense il était honorable. Et c'était même pas un archer, c'est un albâtrier, donc c'est pour ça. C'est Guillaume Tell.
Parce que le mec, on lui dit, v'là la pomme, v'là ton fils, v'là 50 mètres, v'là une arbalète pourrave du temps médiéval, gars. Et là, le mec, propre. Grosse couille, hein. Grosse couille. C'est pour ça. Mais globalement, voilà, c'est un peu la dernière. Ouh, récompense flèche enflammée. Ouh, c'est garanti. Robin des Bois n'était pas honorable. Ah non, il était 0% honorable. Robin des Bois, il frappait dans le dos. Robin des Bois, il était sale. Robin des Bois, il a fait des croisades, mon gars. Faut pas déconner. Robin des Bois, c'est no honor, le mec. Ça veut rien dire. Et bien du coup, pour cet épisode d'aujourd'hui, on n'aura pas fait l'histoire principale. C'est pas grave, c'est bien qu'on avance aussi avec les histoires annexes, parce que je trouve que c'est intéressant, ça fait du dialogue. On finira l'histoire du Mister MV lors du prochain épisode, et ensuite on ira au château de Canada pour sauver notre oncle. Parce qu'en fait, je sais pas si je sauve l'oncle, je sais pas si ça bloque les missions de ces pégus. Voilà, et ça me bloque. Bah Legolas, techniquement, c'est un archer. Ouais, mais Legolas, je l'ai pas vu. Enfin, il y a pas d'honneur, si tu veux. Il a de l'honneur, mais c'est parce qu'il se bat à 1 contre 10 000. Forcément, tu te bats à 1 contre 10 000, même si tu utilises le poison le plus dégueulasse, t'as de l'honneur, si tu veux. De base, c'est pour ça. Mais Gimli, il a 1000 fois plus d'honneur. Faut pas se foutre de ma gueule. Enfin bon, du coup, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, zou. Oh.